Vous voulez surveiller votre santé, mais vous ne voulez pas passer aux montres connectées, car vous êtes peut-être trop attaché à votre montre traditionnelle ou que vous n'aimez simplement pas porter de montre à votre poignet. J'ai peut-être ce qu'il vous faut. Aujourd'hui, je vais vous présenter mon test de la bague connectée de Rincon. Celle-ci, c'est une bague connectée qui va vous permettre de suivre votre santé, de suivre votre sommeil. Bref, on en parle en vidéo. Commençons par regarder le design de cette bague connectée. Le marché de la bague connectée est encore tout nouveau. Il n'y a pas beaucoup d'acteurs, donc il n'y a pas beaucoup de choix. Néanmoins, Rincon, dans son design, vous propose une bague avec 3 coloris. Tout d'abord, il va vous falloir déterminer votre tour de doigt, votre taille, la taille de la bague. Ensuite, vous allez avoir le choix entre 3 coloris. Argenté, comme j'ai choisi, noir ou or. Les matériaux utilisés pour cette bague connectée est du titane, ainsi que du PVD. Le poids de la bague va aller de 3 à 5 grammes, c'est hyper léger. On croirait limite que c'est du plastique tellement c'est léger, et ça, c'est grâce au titane. On est sur une bague avec une épaisseur de 2,6 mm, et bien entendu, elle sera résistante à l'eau grâce à sa norme IP68 et à son étanchéité 5 ATM. Vous aurez donc la possibilité de choisir en fonction de la taille de vos doigts et la taille du doigt que vous voulez utiliser. Si vous voulez la mettre sur l'annulaire, le majeur, l'index, peu importe, et même le pouce. Cette bague avec ses différents coloris va vous permettre de l'adapter à votre style. Elle est vendue avec son petit boîtier de rangement, son petit coffre à bijoux qui va être aussi un boîtier de recharge. Il se branchera en USB-C. Pour parler un petit peu de ses caractéristiques techniques, avant qu'on aille dans le vif du sujet, c'est le suivi de santé. Elle va intégrer 4 modules PPG, 4 capteurs de température, un accéléromètre 3 axes, ainsi qu'un module Bluetooth basse consommation. Tout ça dans cette petite bague. Elle sera bien entendu contrôlée et contrôlable grâce à l'application qu'on va voir juste après. Et elle a une autonomie d'à peu près une semaine, ce qui est plutôt pratique. Regardons maintenant la fonctionnalité de suivi de santé avec l'application. C'est sa fonctionnalité principale. C'est parti. Oui, car cette bague a comme fonctionnalité principale, je vous le disais, le suivi de santé, le suivi de sommeil, etc. C'est sur ce secteur, sur cette thématique que la marque se positionne. On connaît des bagues connectées qui ont des fonctionnalités, du NFC, etc. qui va vous permettre par exemple d'ouvrir votre Tesla, votre voiture, mais celle-ci est vraiment centralisée sur la santé et on le voit directement via l'application. Lorsqu'on va recevoir la bague, on va télécharger l'application pour faire l'appairage. C'est l'application Rincon. Il n'y a rien de compliqué. On fait l'appairage, on détermine notre bague et après on va avoir notre application. Notre application va nous permettre d'avoir du coup un suivi quotidien. Je vous le disais, un suivi de santé, un suivi de sommeil. Lorsqu'on va du coup mettre la bague au doigt, on va avoir bien entendu sur l'application l'historique de suivi, mais on va aussi pouvoir prendre des mesures. Commençons par la prise de mesure en direct. Par exemple, la prise de mesure cardiaque, la fréquence cardiaque. Je vais avoir en haut de mon application, bon là je suis sur hier, je peux être sur aujourd'hui, je vais avoir ce qui s'est passé cette nuit, ce qui s'est passé, etc. Mais ça, on va rentrer après. On va avoir en haut à droite de l'application la possibilité ici d'aller voir ma bague et aussi ici de prendre une mesure. Je vais pouvoir par exemple commencer par prendre une mesure de la fréquence cardiaque pour vous montrer. Je clique et la bague prend ma fréquence cardiaque en direct, en live. On a la mesure qui s'affiche, 120, 118 et elle est déterminée. La fréquence cardiaque est déterminée, la prise de mesure est bonne. On va pouvoir aussi faire de même directement pour la SpO2. Je vais pouvoir aussi prendre les mesures de SpO2. Bref, je vais pouvoir prendre les mesures qui sont intéressantes à prendre en direct. Lorsqu'on ne se sent pas bien ou même lorsqu'on veut déterminer une fréquence cardiaque ou une SpO2. Je vous le disais, on va rester du coup pour l'instant en haut de l'application hein, pour vous montrer un petit peu la prise en main de l'application. Et après, on va aller voir sur le suivi de santé. Vous allez pouvoir cliquer sur la bague pour avoir aussi les réglages de la bague. Vous allez pouvoir mettre à jour, mettre en mode avion. Vous allez avoir votre taille de bague, vous allez avoir le manuel d'utilisation, etc., etc. Maintenant, passons à la partie santé, à la partie reporting, à la partie analyse des données. On va voir du coup l'historique de toutes les prises de mesures qu'on a sur les différents jours, hier, avant-hier, etc. Et on va avoir celle d'aujourd'hui aussi. Si on voit mes mesures d'aujourd'hui, je vais pouvoir cliquer sur la nuit, par exemple, pour commencer. Là, je vais avoir mon suivi de sommeil. On va avoir le suivi sur la nuit dernière avec les phases de réveil, les phases, les différentes phases. On va pouvoir aller regarder, voir toutes les différentes phases de sommeil. On a vu que j'étais réveillé pendant 2h25, que mon sommeil, il était profond, pas profond, etc., etc. Je vais avoir aussi mon HRV pendant la nuit. Je vais avoir aussi
mon rythme cardiaque pendant la nuit, je vais avoir aussi ma SPO2 et mes graphiques de SPO2 pendant la nuit. Je vais avoir mon graphique de SPO2, je vais même avoir ma température pendant la nuit. Ça, c'est lorsque je vais rester sur sleep, sur le sommeil. C'est assez précis, c'est assez sympa. Après, je vais avoir, en gros, si je reviens sur mon résumé, vous voyez aussi que j'ai mon résumé, le sommeil, l'activité et le stress. Après, je vais descendre, je vais avoir quelques petites timelines de santé aussi, qui me dit, en gros, tu t'es réveillé, tu es allé au lit, etc., etc., la nuit, comment ça s'est passé, aujourd'hui, comment tes activités sont par rapport à hier ou par rapport au jour où tu étais un peu plus active, etc., etc. Lorsque je vais cliquer sur Activity, là, je vais avoir, du coup, ma synthèse d'activité d'aujourd'hui. Je vois que là, je suis à 1208 pas sur un objectif de 6000, calories dépensées, j'ai été debout tant de temps, l'intensité d'activité, etc., etc. J'ai mes données de santé. Lorsque je vais cliquer sur stress, je vais avoir mon score de stress aussi, qui me dit que je suis dans une phase assez normale. Qu'à 9h30, j'étais dans du stress ou dans de la colère, etc., etc. Je vais pouvoir avoir mon ratio de stress, mon temps en gros stressé sur la journée, mon stress de sommeil avant le sommeil, après le sommeil, après la nuit, comment c'est sur les 7 derniers jours, etc., etc. Après, je vais pouvoir du coup revenir sur mon résumé où là, je vais avoir mon graphique d'activité directement, mon graphique de stress, mon graphique de sommeil. Bref, je vais avoir le résumé avec les... Ensuite, je vais pouvoir bien entendu revenir sur les jours d'avant. Hein. Il n'y a pas de souci là-dessus. On va pouvoir revenir sur les jours précédents pour analyser et voir que par exemple là, j'étais dans le rouge. C'était quand ? À 18h30, 19h, mardi. J'étais en stress. Ensuite, je vais pouvoir changer d'onglet en bas de l'application et passer de Insight à Trends. Trends, je vais avoir mes différentes tendances que je vais pouvoir choisir à la semaine, au mois ou à l'année. Je vais pouvoir avoir mon temps total de sommeil, 5h43 en moyenne, avec un minimum de sommeil de 2h35 et un maximum de 7h. Je vais avoir aussi, du coup, si je me mets au mois, mes tendances, mais si je reste sur la semaine, je vais avoir aussi ma tendance au niveau de la marche, ma tendance au niveau du stress, de l'activité, ma tendance au niveau du rythme cardiaque. C'est les tendances à la semaine, je vais pouvoir aller chercher aussi plus de précision, par exemple sur le sommeil, en cliquant sur sleep. Là, je vais avoir mon total de temps que je vous ai dit, mon total, ma moyenne de temps éveillé la nuit. En moyenne, je suis éveillé 1h40 de la nuit. Je vais pouvoir avoir aussi ma moyenne de temps au lit. Bref, je vais avoir pas mal de petites mesures, des mesures qui sont vraiment très intéressantes à exploiter. Hein. Lorsqu'on essaye d'avoir un meilleur niveau de vie, on voit où sont les problèmes, on voit où sont les sources de stress, les moments de stress. Bref, on va pouvoir voir tout ça, que ce soit stress, activité ou sommeil. Bref, vous l'aurez compris, au niveau de la santé, du suivi de sommeil, du suivi d'activité, etc., on est vraiment très bien positionné, on a de la précision. Pour l'instant, l'application est en anglais, ça c'est peut-être un petit bémol pour ceux qui ne parlent pas anglais, mais on est vraiment sur quelque chose de propre et de sympa. Alors maintenant, faut-il acheter cette bague connectée? Je n'ai pas testé beaucoup de bagues connectées, mais je suis quand même agréablement surpris par celle-ci, surtout au niveau du suivi de santé. Je vous avoue que déjà, j'ai eu peur dans l'utilisation. J'avais eu peur hein, dans l'utilisation de ma connectée parce que moi, je suis toujours en train de bricoler des petites choses, toujours en train de faire la vaisselle, je suis toujours en train de mouiller mes mains et même de frotter mes mains sur voilà, différents types de textures. Et plus d'une fois, j'ai cru que j'allais abîmer cette bague. Vraiment, je l'ai frotté sur du métal, j'ai frotté voilà, lorsque je fais la vaisselle sur des couverts, sur des assiettes. Et au final, elle tient vraiment la rayure. Il n'y a presque aucune rayure, il y a même aucune rayure sur ma bague, alors que plus d'une fois je l'avais tapé, etc., etc. Là-dessus, j'étais quand même agréablement surpris, et j'étais aussi agréablement surpris par le confort. Dans ma vie, je suis pas amené à porter beaucoup de bijoux, et elle est très agréable à porter. Et en plus, voilà, on a ce suivi de santé qui pourrait complètement remplacer un suivi de santé d'une montre connectée. Il serait intéressant de voir la précision entre une bague connectée et une montre connectée, parce que je trouve quand même qu'une bague connectée adhère plus, on va dire, qu'une montre connectée au mouvement, parce que, voilà, là, elle est autour du doigt et elle ne bouge pas. Donc peut-être que les mesures du cardiofréquencemètre et autres sont limite plus précises qu'une montre connectée. Ça, ce serait à voir dans un test de précision.
En attendant les amis, je vous conseille du coup cette bague si vous êtes à la recherche d'une bague connectée, d'un moyen de suivre votre santé, de suivre votre sommeil sans avoir besoin de mettre quelque chose autour de votre poignet. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez des questions sur ce produit, n'hésitez pas à les poser en commentaire. En attendant la prochaine vidéo, vivez à fond, vive high tech. Merci et à bientôt sur ma chaîne.